Comment renouer avec la légèreté et la bonne humeur après une chronique sur la pédocriminalité en ligne? Personnellement, je ne sais pas. C'est pourquoi je préfère sous-traiter l'humour de cette fin d'émission à Tania Dutel. Bonjour Tania. Bonjour, ce lancement me prend en cours. Comment allez-vous? Génial. Super. C'est la meilleure nouvelle de la semaine. Lié à anxiété, déjà, le sujet m'a rendue anxieuse. Bon, Mathieu, on ne va pas se mentir, j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais comme on n'a jamais le temps de parler, est-ce que je peux raconter mon mercredi soir dernier avec Manon et Quentin? Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais il faut que ça sorte. Oui, on en a entendu parler, on aimerait avoir votre version, Tania. Ah. Merci, maître. Donc, nous allons prendre un verre avec Quentin et Manon, mercredi. Deux hommes bourrés sont à côté de nous, Quentin part. Il est déjà plus dans l'histoire, Quentin, c'est le gars qui meurt au début du film. Un des gars part aux toilettes, l'autre vient s'asseoir à notre table. Logique. Il tend un billet de 50 euros à Manon en disant « Regarde, Manon, très calme. » Oui, et lui, bourré. Bah, c'est info, je l'ai eu sur le dernier film de Zoé Marshall. Donc, moi, je savais pas que c'était une soirée name dropping. Tu veux voir mon selfie avec Alain Chabat? Je l'ai dit dans ma tête. Hein. La venue de nulle part, lui bourré. Tu t'appelles Ludivine ou Joséphine? Manon, toujours calme. Alors non, et ça veut dire quoi? Il y a un truc particulier avec ses prénoms? Le serveur arrive, il le dégage. Il est revenu. Combien, Manon? 50 fois à peu près. Ouais, à ce point, ouais. Le serveur nous change de place, le gars revient, son pote lui dit de nous laisser, lui bourré. Non mais je les laisse, c'est bon, elle parle de leurs problèmes. Manon, toujours très calme. Quel problème? Juste on parle en fait. Moi je disais rien, j'étais trop occupée à prendre des notes. Après 1000 allers-retours et plus personne qui pouvait le saquer, même pas son pote. On était à deux doigts des affiches wanted dans tout Paris. Vraiment. Il est revenu et là, merci, vous m'avez bien fait passer pour un con. Vous m'avez bien fait passer c'est pour fou. Un con, mais dis donc, tu le fais très bien tout seul. La soirée de l'anxiété. Et vous savez, je reviens sur le sujet, quand on utilise ChatGPT, on le nourrit et il devient plus performant. J'espère que ce gars ne l'utilise pas, parce que merci bien la version 10.0 dans laquelle tu lui demandes, je sais pas, tu lui poses une question et que le robot te répond « Merci, vous me faites passer pour un con ». Je préférais, moi, l'ancien ChatGPT Akinator, vous vous rappelez? Ah oui. Le génie qui devine à qui tu penses, la folie. Trouver Britney Spears en 4 questions. Incroyable. Je l'ai fait pour vous, Mathieu. Ah, oui. J'ai répondu non à si vous aviez moins de 45 ans et à moins de 60 ans. Je pense que le développeur n'a jamais rebossé dessus. Parce que logiquement, si vous avez moins de 45 ans, il est peu probable que vous ayez plus de 60 ans. Avant de tomber sur vous, il m'a proposé Gilles Verdez. Donc visiblement, vous n'avez même pas trop. Et vraiment. Hein. Je quitte ce studio. C'est la fin de ma carrière. On a beaucoup de sujets sur l'IA. Ça me permet d'en savoir un peu plus parce que j'avoue, je m'y intéresse pas tellement parce que ça me fait peur. J'ai cru toute mon enfance que les singes allaient prendre le pouvoir à cause du film La planète des singes. Mon futur, je le voyais pas ailleurs qu'en labo, non pas en chimiste, mais dans une cage comme testeuse de maquillage et médicaments. Et depuis 10 ans, j'ai peur des robots. Ma plus grosse technologie chez moi, c'est une ampoule connectée parce qu'il n'y a pas de lumière au plafond. Et j'en ai eu marre de devoir rentrer chez moi le soir avec la lampe torche de mon téléphone pour trouver l'interrupteur. Ah, j'ai aussi une enceinte Bluetooth en vrai. Waouh. Mais j'étais chez une amie dimanche, elle met de la musique et je l'entends moins fort Alexa. Ah non, faut dire Alexa d'abord. Alexa moins fort. Alexa baisse la musique. Et elle se lève pas. On est chez les fous. Donc je l'ai fait puisque visiblement Alexa était en pause café. J'ai lu aussi chirurgien assisté par des robots. Ça m'a foutu une angoisse. Moi, je veux pas. Vous avez déjà vu des machines à laver qui pètent les plombs? Parce que, pardon, mais si je dois repasser sur le billard, je sais que je vais me dire avant, soit tout à l'heure, soit potentiellement je me réveille jamais parce que le robot aura fait de la soupe avec mes organes. J'ai pu lire que 3 travailleurs sur 5 s'inquiètent de perdre leur emploi du fait de l'IA au cours des 10 prochaines années. Et nous, je crois que c'est pas encore le cas, mais Mathieu, rassurez-vous, je pense que Ghislain le Réal sautera avant vous. C'est probable. Merci beaucoup Tania Dutel. Je pense que Quentin a quitté trop tôt la soirée, il aurait pété la gueule du type. Ça aurait été très rapide, évidemment. On a tellement peu de temps en plus.